de suivi concernant ces détenus et que le gouvernement ne pas les libérer. Moi, ce que j'ai compris, c'est que le dossier est en plein air des facilitateurs et qu'ils continuent de faire, de travailler pour que les personnes soient libérées. N'oublions pas que le président on a eu de cesse de dire qu'il préconise un traitement politique de la question au lieu d'un traitement judiciaire comme c'est le cas aujourd'hui. En d'autres termes, je voudrais que si nous voulons aller à l'apaisement, il faut libérer les personnes détenues dans le cadre des manifestations. Les personnes arbitrairement détenues jusqu'à la fin. Vous allez continuer à mettre la pression sur l'apaisement. Mais vous savez, je crois que nous-mêmes nous sommes responsables de l'attitude actuelle du pouvoir. Je crois que le pouvoir est ouvert pour avancer dans la voie de l'arbitraire. Ça, c'est non. Si nous nous organisons dans les tout prochains jours pour préparer des manifestations massives, ils vont nous créer. C'est parce qu'ils croient que nous avons abdiqué. Mais je leur demande de réfléchir un peu. Qu'ils ne pensent pas que nous aurions fait tout ça pour les laisser passer en force. C'était possible. Je pense qu'il devient urgent que la C14 s'organise pour organiser des manifestations massives, que pour arrêter l'attitude actuelle du pouvoir. Sinon le train qui marche. Pardon ? Sinon le train qui marche. Bon, cette histoire de train, c'est une blague. Eh bien, il va donc ces sociétés civiles d'or.